Didier, Axel, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette église en présence du pasteur Louis Pernot. Ce n'est pas souvent qu'on a des pasteurs, et peut-être qu'on fera appel à eux un peu plus souvent pour nous aider dans la pastorale. Nous sommes très très heureux avec vos familles, vos amis qui sont là présents d'être ici autour de vous pour écouter, entendre et célébrer. Nous nous réjouissons de votre présence. Nous nous réjouissons de l'amour que Dieu fait naître dans vos cœurs. Je suis heureux de vous accueillir à mon tour, encore que c'est plutôt moi qui suis accueilli, puisque le Père Beauce a eu la gentillesse et la fraternité de m'accueillir dans la cérémonie qu'il préside. Et je suis là au plus heureux de le faire parce que Romain est mon propre neveu, et la famille, c'est très important, donc je suis heureux d'être là avec la famille. Et puis aussi pour témoigner que, de par ce lien de parenté, il y a une dimension protestante dans la vie de Romain, et donc dans le couple que Romain et Axel et la famille qu'ils vont créer. Mais cela dit, le problème n'est pas de savoir si on est là pour être protestant ou catholique, on est là pour demander à Dieu sa bénédiction sur le mariage de Romain et d'Axel, et la bénédiction de Dieu appartient à tous les chrétiens. Et donc ensemble, nous partageons simplement la bonne nouvelle d'un Dieu d'amour, de paix et de grâce qui nous est donné. Et je suis heureux de partager cette bonne nouvelle avec un frère au service de l'Église et de notre Seigneur commun. Merci Père. La première lecture sera faite par Marie-Claire. Se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie, qu'ils accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent selon l'évangile du Christ et la foi de l'Église. Axel et Romain,
Est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage ? Oui. Oui. Invite les témoins à se rapprocher des deux côtés. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église ? Oui. Oui. En vous donnant la main droite, je vous invite devant Dieu et devant tous ceux qui sont ici présents à échanger vos consentements. Moi, Romain, je te reçois, Axel, comme épouse et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Axel, je te reçois, Romain, comme époux, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. J'invite Com à venir nous rejoindre. Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l'un à l'autre en signe d'amour et de fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Présentation. Axel, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-vous la main. Ainsi donc, disons-nous, vous n'êtes plus deux, mais un, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, ce qui peut vouloir dire que des affaires terrestres, humaines ou matérielles ne dérangent pas, ne perturbent pas ce qu'il y a de divin et d'éternel dans votre amour. Et puis, selon une vieille coutume protestante, je vous remets un exemplaire de la Bible pour vous dire qu'elle aura une place dans votre foyer, place qu'il vous appartiendra de déterminer, parce qu'il n'y a pas qu'une manière de gérer son rapport à l'Église, à la spiritualité ou à l'Écriture. Elle y aura une place. Et aussi pour vous dire que quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais seul, mais Dieu sera toujours à vos côtés. Et si vous l'utilisez bien, quand elle sera usée, l'Église vous en donnera une autre. Nous, pour recevoir la bénédiction nuptiale, les témoins, vous pouvez reculer juste à vos chaises. Seigneur notre Dieu, Créateur de l'univers et de tout ce qui vit, tu as fait l'homme et la femme à ta ressemblance. Et pour qu'ils soient associés à ton œuvre d'amour, tu leur as donné un cœur capable d'aimer. Tu as voulu qu'aujourd'hui, dans cette église, Axel et Romain unissent leur vie. Tu veux maintenant qu'ils construisent leur foyer, qu'ils cherchent à s'aimer chaque jour davantage et suivent l'exemple du Christ, lui qui a aimé les hommes jusqu'à mourir sur une croix. Bénis, protège et fortifie l'amour de ces nouveaux époux. Que leur amour soutienne leur fidélité
qu'il les rende heureux et leur fasse découvrir dans le Christ la joie du don total à celui qu'on aime. Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie. Qu'ils les gardent attentifs aux appels de leurs prochains et que leur foyer soit ouvert aux autres. En s'appuyant sur leur amour, avec la force de l'Esprit Saint, qu'ils prennent une part active à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel et soient ainsi fidèles à leur vocation humaine et chrétienne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On le reprend. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Travail à tous deux soit béni et que la paix demeure en votre maison. Axel et Romain, et vous tous ici présents,
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tranquillement, sans bruit, pour accueillir les nouveaux époux à l'extérieur.